surpris dans un premier temps parce que c'est pas foncièrement une période propice à ce genre de gestes. Maintenant, on va dire que quand on réfléchit un petit peu, qu'on prend un petit peu de recul, bon, moi, c'est pas surprenant non plus d'avoir cette décision. Parce qu'il y a eu effectivement la commission de discipline qui a sanctionné Leonardo assez lourdement à mon sens. Et c'est vrai qu'en termes d'image pour le club, peut-être que ça ne collait pas justement avec ce que voulaient faire les dirigeants tout simplement.